Des fleurs ondulent dans un rayon de soleil. Une personne de dos marche avec sa canne blanche, une autre avec son chien guide. La déficience visuelle concerne près de 2 millions de personnes en France. Une femme travaille, un homme utilise son smartphone. Un groupe est en sortie. Un auxiliaire de vie rit avec une personne accompagnée. Le même homme du début prend les transports avec son chien guide. Il évolue dans la foule d'un centre-ville. Le mot « inclusion » apparaît. Un homme, dans une maison, tend sa carte d'invalidité. Deux hommes font les courses. Une bénévole est avec un bénéficiaire. Les deux hommes rentrent de leur course. La femme, au bureau, échange avec ses collègues. Une femme passe un tour de cou pour une sortie culturelle en groupe dans une gare. Un homme déficient visuel répare un vélo dans son atelier. Il porte un bleu de travail. Plusieurs musiciens jouent dans un studio. De la guitare et de la batterie. Le mot « autonomie » apparaît. Trois sportifs et leur éducateur font de l'aviron de mer. Le mot « donateur » apparaît. Deux chercheurs manipulent du matériel dans un laboratoire. Les mots « accompagnement » et « recherche » apparaissent. Une ophtalmologiste réalise un dépistage. Le mot « technologie » apparaît. Le bus du glaucome vu de l'extérieur se dévoile. Un jeune homme lit le magazine Lumen. Le mot « sensibilisation » apparaît, puis « vivre ensemble ». Deux enfants mettent un bandeau sur leurs yeux. On peut lire « bénéficier d'une égalité des chances ». La jeune fille touche un papier en braille. Gros plan sur des mains qui touchent un mur en marbre. Un groupe s'éloigne, changé de regard sur le handicap visuel. Vu du dessus sur l'aviron en pleine mer, image finale sur les feuilles d'un arbre au soleil, avec le logo blanc de l'UNADEV 90 ans. Site web de l'UNADEV sur fond noir, www.unadev.com.